Bonjour, je suis Monique, avec le concours de Nadine O, maquilleuse, et de Lovely, notre mannequin du jour. Nous allons vous montrer comment réussir la bouche nude. Pour réaliser une bouche nude, il nous faut très peu de choses. Un rouge à lèvres transparent, un gloss, une crème corrective ou un fond de teint, et un crayon contour des lèvres, bien entendu, un pinceau. Donc nous allons commencer par effacer la bouche pour mieux la recréer. Donc effacer la bouche, on va prendre une crème corrective. On pourrait prendre également le fond de teint habituel de Lovely. Donc la bouche va disparaître dans un premier temps pour mieux être recréée. Nadine applique au pinceau un rouge à lèvres translucide, c'est-à-dire qu'il va donner un voile de couleur mais sans être trop marqué, donc pour un parfait effet nude. Donc on trace au crayon le contour des lèvres de façon à bien définir la forme. Donc c'est une teinte discrète, un brun léger. Le trait de crayon doit être présent pour bien définir le contour, mais il doit cependant rester transparent. On ne doit pas le voir, on doit simplement voir l'effet. Donc on termine en appliquant une touche de gloss. Donc c'est un gloss effet nude là aussi, qui va juste donner une pointe de glamour. Nude ne veut pas dire absence de maquillage, au contraire, vous voyez que c'est quelque chose qui est à la fois simple mais très élaboré. Donc on efface la bouche et on la recrée de façon tout à fait naturelle. Voici un parfait exemple de la bouche nude.